Oui, bonjour, je n'étais pas prévu parce que normalement, à l'heure qu'il est, je devrais être en train de manifester à Nantes contre le grand projet inutile de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bon, pour empêchement personnel, je n'ai pas pu y aller. Je vais quand même faire quelque chose contre les grands projets inutiles. Il y a un rassemblement à la porte de Versailles, j'y vais. Je ne pensais pas être le seul du NPA, mais ils doivent être tous partis là-bas. Et donc, voilà, j'ai demandé si je pouvais intervenir. On m'a accordé cette autorisation. Je ne vais pas insister beaucoup. L'essentiel a déjà été dit. J'ai déjà participé il y a quelques semaines à une réunion dans une salle de réunion de l'arrondissement sur les grands projets inutiles où il était longuement question de cette tour triangle, bien évidemment. Moi, je suis intervenu pour parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce qui se passe dans le 92. Alors, il y a déjà des gens du 92 qui sont intervenus pour en parler. Je ne sais pas si avant, parce que je suis arrivé un petit peu en retard, si on a parlé de l'Arena. Alors, c'est pas une tour, mais on considère aussi que c'est un grand projet inutile. C'est une salle de spectacle et c'est un stade couvert destiné au rugby. Ce sera une équipe de rugby qui sera titulaire de cette salle de sport quand elle aura un match à y jouer. Mais le plus souvent, ce sera pour des concerts, des meetings, des choses comme ça. Et nous considérons que c'est un grand projet inutile. Mais il y en a d'autres aussi en région parisienne. Deux en particulier, le triangle de Gonesse. C'est dans le 95 et actuellement ce sont des terres agricoles, très riches paraît-il, je ne suis pas du tout spécialiste de l'agriculture. Il y a le salon où il y a peut-être des gens plus compétents que moi pour en parler, mais ils sont à leurs occupations. Eh bien on veut bétonner cette zone agricole proche de Paris, ce qui manque parce que malheureusement maintenant pour nous nourrir, on doit faire venir nos aliments, que ce soit des aliments végétaux ou des aliments animaux. Hein. Je sais qu'il y a des ennemis de la viande de boucherie, là, mais bon. Oui, d'accord. Donc, on veut bétonner cette zone pour faire du profit, pour faire un centre commercial avec un centre d'animation, des pistes de ski toute l'année, etc., etc. Et puis, de l'autre côté, dans le 91, il y a le plateau de Saclay, qui a aussi une terre agricole riche, alors c'est pas le même genre de culture, mais là aussi, on veut supprimer ça pour aller y construire des établissements scolaires, des centres de recherche, etc., etc., qui existent déjà, mais qu'on va déplacer là-bas. Pourquoi ? Mystère, opération spéculation immobilière, etc., etc. Bon, je vais pas m'étendre davantage, mais des grands projets inutiles comme la tour Triangle, il y en a quantité, et malheureusement, tant qu'on ne sera pas sorti du système capitaliste, il faudra les subir ou bien se battre avec acharnement pour les empêcher. Et espérons qu'on réussisse à les empêcher, mais le mieux, ce sera encore de foutre en l'air ce système pourri.